Mélange le yaourt et le citron, applique sur tes cheveux, tu seras choqué des résultats. Ce remède naturel contre les pellicules a mille et une vertus pour vos cheveux. Je vous invite à regarder ceci jusqu'au bout pour ne rien rater. Parce qu'en plus de soigner vos cheveux, je vais vous montrer comment vous débarrasser des pellicules, des cheveux qui poussent mal, des cheveux qui sont cassants, mais surtout de les avoir beaux, sains et soyeux. Vous en avez marre des pellicules qui tombent sur les épaules, des cheveux qui se cassent sans cesse, qui ne poussent plus jamais. Alors vous allez être très satisfait après ce soin. C'est vrai que franchement, les pellicules, ce n'est pas très esthétique. Et ceci est souvent dû à un cuir chevelure trop sec ou même trop gras. Plus la peine d'acheter du pétrolane pour autant. Non seulement ce n'est pas donné financièrement, mais en plus c'est plein de produits de synthèse. Heureusement, il existe un remède naturel et très efficace pour traiter et venir à bout de ces problèmes de pellicules, de cheveux cassants, de cheveux ternes, de cheveux qui poussent mal. L'astuce est de faire un masque au yaourt et à l'huile essentielle de citron. Bien sûr, ne paniquez pas. Si vous n'avez pas d'huile essentielle de citron, je vais vous montrer comment faire par la suite. Donc voilà mes amours, cette huile essentielle de citron, ça va se trouver quand même dans les magasins, dans les boutiques bio, ou même dans le commerce à côté, ou même sur internet, hein. Donc bien sûr, si vraiment vous ne trouvez ça nulle part, je vais vous montrer dans cette vidéo comment fabriquer votre propre huile chez vous. Vous allez voir que c'est assez simple, il suffit de laisser macérer la pulpe de citron dans de l'huile d'olive à température ambiante pendant 2 ou 3 semaines et de remuer assez souvent. Et si jamais vous ne pouvez pas faire ça, alors servez-vous tout simplement du jus de citron. Mais bon, on en reparlera dans la vidéo. Mes amours, bienvenue sur votre chaîne préférée Astuces Santé Bien-être. Si jamais vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné ici, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pensez aussi à liker, à commenter, mais surtout n'oubliez pas la clochette de notification. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire de là où vous me suivez, de là où vous m'accompagnez. Vous savez combien tout cela me réjouit. Donc voilà, maintenant on va passer à la préparation de ceci. Comme je vous l'ai dit plus haut, c'est très très simple. Vous aurez besoin d'un yaourt, de 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de citron, d'un bol, une spatule en bois, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour faire cette magnifique recette. Comment faire? En numéro 1, vous versez le yaourt dans le bol. Ensuite, vous ajoutez vos gouttes de 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de citron, tel qu'on l'a dit plus haut. Vous remuez le tout avec votre spatule pour bien mélanger le tout. Et vous appliquez simplement sur vos cheveux en insistant sur le cuir chevelure. Vous laissez agir pendant environ 15 minutes et vous rincez à l'eau claire. Résultat, grâce à ce masque fait maison, dites adieu aux pellicules indésirables, facilement, rapidement et de façon efficace. Finis aussi les démangeaisons du cuir chevelure. Vous n'aurez même pas besoin d'un masque purifiant pour cuir chevelu vendu dans les commerces et qui coûte la peau des fesses. Vous pouvez tout à fait fabriquer ceci vous-même. Et ça, sachez que vous pouvez utiliser un yaourt qui est en période de fin de consommation ou même qui est périmé. Hein. Cela ne change strictement rien à son pouvoir purifiant, je vous assure. Donc, si vous n'avez pas d'huile essentielle de citron, comme je l'ai dit plus haut, vous pouvez aussi utiliser un petit peu de jus de citron frais, ça on l'a dit. Pourquoi est-ce que ça marche? Vous allez me demander, mais Rose, qu'est-ce que cette recette a de différent par rapport aux autres recettes? Alors, sachez que ce masque à faire soi-même à la maison est super efficace car il va lutter contre l'excès de sébum. Le citron est un excellent moyen de lutter contre les pellicules car ceci assainit le cuir chevelu, ceci le désinfecte aussi. Les pellicules sont dû à des bactéries. Le citron permet d'éliminer cela rapidement. Quant au yaourt, il va stabiliser la peau du cuir chevelu, le rendant ni trop sec ni trop gras. Comme ceci est légèrement astringent, il permet aussi d'exfolier le cuir chevelu en douceur, ce qui va permettre d'ouvrir les bulbes, de nourrir les bulbes, mais surtout de booster la repousse de vos cheveux. Il possède aussi des propriétés antibactériennes, très utiles en cas de pellicule due à un champignon ou même encore à la dermite séboroïde. En fonction de l'état d'avancement de vos pellicules, vous pourrez faire ceci 3 fois par semaine pour un début. Ensuite, au fur et à mesure des résultats, vous pourrez moduler. Mais vous serez très agréablement surpris, je vous assure. Donc voilà mes amours, nous en avons fini avec cette nouvelle vidéo. Si vous avez d'autres astuces qui, comme celle-ci, fonctionnent très bien, n'hésitez pas à partager ceci dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Et si jamais vous avez aimé ceci, partagez pour que ça touche un maximum de personnes. Bisous, bisous.